Il est où? Oh, il l'emmène? Vas-y, monte, 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 on est là. On nous a même pas vu. Roya, binef, binef. Quoi, 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 c'est qui ces mecs? Roya, je connais pas, hein. Ils m'ont pris, d'accord, otage. Ouais. Je leur ai expliqué mes anecdotes et tout. Ils ont dit, ah ouais, t'étais un ancien braqueur, les histoires. Ils m'ont dit quoi? Vas-y, on va te tester, tu vas faire braquage. J'ai braqué pour eux. Attends, j'ai aidé à faire l'argent. Ils m'ont dit, vas-y, joue otage, etc. On te fait confiance. Ils m'ont donné 5000 dollars et une perceuse. Mais frère, mais d'accord, mais c'est bien, mais. T'as un contact ou pas? Ouais. Non, ils ont pas voulu. C'est qui? Ils ont pas voulu. Non, rien du tout. Par contre, il y en a un, il m'a dit, est-ce qu'en prison, t'as pas connu un Guzman? Et j'ai dit un non, Guzman. J'ai ouais, une personne qui s'appelle Guzman. J'ai pas connu, il m'a dit. Ça fait mexicain, ça, un peu. Salut, ouais, Drax, ça va quoi? Salut à ceux qui viennent d'arriver. Mais ils m'ont rien dit, pas de quoi. J'ai essayé d'avoir contact et ils ont dit non. Bien, c'est un problème, bien. J'ai connu un... J'ai entendu parler, je l'ai pas connu, j'ai entendu parler d'un Guzman. Un vieux ouais. Comme ça, un sheriff. J'ai pas connu, quoi. Mais tu vois, c'est pas un mec avec qui j'ai traîné, quoi. Eh ouais. C'est fils de pute, j'étais otage, les policiers. J'étais vers eux, j'ai dit, ah là là, ils sont dangereux. Le capitaine, c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a dit, toi, viens là, il m'a craché dessus. Ouais. Le capitaine, la pleureuse. Le capitaine de la police? Ouais, la pleureuse, là. Je te jure. Il t'a craché dessus, t'as craché dessus. Il m'a craché dessus, il m'a dit, toi, viens là, il a craché sur moi. Ouais, les policiers, ces fils de pute, je vais tous les défoncer. Attends, on a pas d'armes déjà, on a pas d'armes. La patience. On a gagné une place. Pourquoi t'as craché dessus? Pourquoi? Parce qu'il m'a reconnu par rapport à l'église. Attends, reste là. Et alors, par rapport à quoi? Par rapport à l'église. L'église. En plus de ça, je lui dis, ah, elle est là, la pleureuse. Il m'a dit, toi, viens là avec moi. Ouais, parce que la dernière fois, non, il était en train de chialer. Tu vois, Aziz, fallait gratter un contact. Et si tu connais un. Fallait dire oui. Rien à perdre. C'est ça, après, moi, j'ai dit oui, j'ai entendu. Mais après, il m'a dit, les contacts, c'est mort. Il m'a dit, pote, il veut pas. J'ai si, après là on a une personne 5000 dollars. Ouais, ça va quoi? Mais on va faire quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, c'est bon, je suis un peu de retour si tu veux. Braquages, si de... Je l'ai fait moi. Et je fais ça pour braquer? Ok. Moi aussi, dis à la personne qui allait me ramener la tute demain parce que. Il y a les nouveaux sécurités. Ouais, ok, pas de galère. Non, là c'est fou. Mais si, comme ça, tu tires quoi? Sécurité. Vas-y. Les casiers, ils ont dit des trucs bizarres. Il faut la perceuse obligatoire. Ouais. Mais pour attendre les casiers, il faut. Eh, va au casino, casino, casino. Il m'a parlé. Il m'a dit en fait maintenant il faut une carte magnétique pour faire les braquages. Et je lui dis c'était pas. Ouais, il m'a dit c'était pas comme ça, Yacine. On trouve ça où? Ah, j'ai pas demandé. J'aurais dû. Mais frère, tu poses pas les bonnes questions. Ouais. Toi, tu veux tout, mais tu demandes pas comment avoir les trucs. Mais frère, ils t'ont pris avec eux. C'est limite, ils t'ont donné de la thune, une carte. Non, c'est quoi qu'ils t'ont donné? 5000 dollars. Une perceuse. Ouais. Mais frère, on sait pas utiliser une perceuse. Moi aussi, j'ai l'expérience. Ah oui, bah oui, toi aussi, j'ai l'expérience. J'appuie sur le bouton et c'est bon. Je te jure, il m'a dit. Après, ou percer, c'est ça, frère, quoi. Il m'a regardé, il m'a dit, ça se voit, t'as l'expérience, tu fais ça très bien. Ouais. C'est un ancien braqueur, en même temps. C'est un ancien braqueur, c'est normal. C'est moi, il m'a dit, vas-y, bah. Donc, c'est pas innocent, c'est vraiment toi qui as braqué. Au final, t'es 5000, tu le mérites, quoi. Ouais, Khoya. Ok. Bouche. C'est quoi ici? Ah, je connais club pas. Club de motard. Club de moto, ça? Oui. Ah, peut-être, ouais. Il disparu, il s'appelle. Disparu? The Lost. On est perdu, ouais. T'as la roue, c'est seulement maintenant où elle tourne. Ouais, on a oublié. Ah, t'as 5000 dollars, toi, t'as pas de plaindre. La personne, je l'ai mis dans le coffre. Hein. Vas-y, tu peux mettre les 5000 aussi. Ferme la clé, Roy. C'est vrai, j'ai oublié. Ah, ouais. Ouais, t'as entendu Aziz? On parlait d'un autre truc. Quoi? Un truc, ça s'appelle le Darknet. J'ai demandé comment on fait. T'as raison, toi? Tirer d'or. Tu sais, moi, c'est un peu changé. Quoi? Le Darknet, je sais pas quoi. Ouais. Non, mais c'est à l'époque, c'était DarkSat qu'on connaissait, pas Darknet. C'est quoi ça, Darknet, Aziz? Tu te rappelles avec Black Market, Darknet? Je sais pas. En fait, j'ai demandé, mais il y a eu des tirs. Il te donne une info, après, il te dit, je sais pas. Non, c'est pas, je sais pas. Ouais, ils braquent et nana. Et comment? Roya, je sais pas. Ils allaient m'en parler, mais ici. Ouais, ils connaissent, ouais, je sais pas. Et pourquoi t'as pas pris un numéro? Ils m'ont pas donné, ils veulent pas, ils ont dit ils veulent pas. Ouais, mais quand même, tu les as aidés. Par contre, quand j'ai percé, je me souviens, il m'a dit quoi? Il m'a dit, par contre, il y a peut-être moyen, on va te recontacter. Ils ont demandé mon nom et mon prénom. Non, mais ils ont pas ton numéro, frère. C'est Batman ou quoi? Je sais pas, Roya, s'ils arrivent par rapport à mon nom, mon prénom, on verra. À voir. Je sais pas si j'ai joué aujourd'hui. Non, j'ai pas joué. Oh merde. Je tombe pour moi, pas j'en ai que 100 sur moi. Attends, tiens, Ben. Attends, bismillah. Croise des doigts. 150, sa mère. Laisse faire les Marocains, tu vas voir. Compte de bénéfice. Regarde. Wingardium, les vieux ça. Quoi?
Il est sort marocain. Eh, on dacha, allez. Fils de pive. Il est sort marocain, il n'y a pas marqué. Rigole, toi. Vous avez tout vendu, les gars? Vas-y, t'as vendu, toi? Bah non, je me suis fait soulever. Ah ouais. J'ai 9. Oh, ça tombe. C'est ça? Putain, y'a rien qui tombe. Vas-y, ça te surprend. Mais toi, t'as gagné 10 000, donc... Non, mais pas ici, frère, c'est pas à la roue que j'ai gagné. T'as quoi? Mais à la roulette, là-bas, là. Ok. Ah oui. On d'achat, c'est certain. Allez, celui-là. Il faut que je vende les 9 derniers pochons, là. Eh, tu sais combien ils ont fait? Eh, les flics, ils ont fait 58 000 dollars. Il m'a donné 5 000, il m'a dit, tiens, parce que t'as bien percé. Donc en gros, ils sont fait 63 000. Putain. Ça va, ça reporte bien. Hein. Ouais, mais après, tu prends combien après, si tu chopes les flics? Ah ouais, c'est ça. Hein. T'as envie de retourner en prison, toi? Moi, Roya, j'y retourne pas, je préfère mourir. Hein. Bah voilà, donc flics, oublie. Ouais. On va vendre la perceuse ou je sais pas. Mais je vais pas te mentir, comment ça m'a fait plaisir de repercer, ça faisait longtemps, les sensations et tout. Sensations. Ouais. Mmh. Mais c'est vraiment casse, moi. Ils avaient quoi quand même? Birita. Putain, les chiens. Attends, et à la place, on a entendu un coup de feu, il s'est passé quoi? C'est eux qui ont tiré, non? C'est eux, ils ont tiré sur moi pour me dire de m'arrêter. Voilà, j'en étais sûr. Ils ont tiré sur moi, à côté. Ouais, à côté, ils ont fait sommation, tu vois. Ils ont dit arrête-toi et. Arrête-toi. Ils m'ont dit arrête-toi, ils ont tiré, tu vois. Ah ouais, je vous ai vu à l'arrière, vous étiez en train de courir vers moi. Ouais, ben c'est moi qui courais, moi. Moi j'ai couru dès que j'ai entendu tirer, ouais. J'ai couru. Après j'ai appelé Hawk, et après quand je t'ai appelé deux fois que t'as pas répondu, j'ai dit ah. Ouais, tu cours en vendant, quoi. Et moi. Non, mais attends, en fait, je venais de finir la vente, ça a tiré. Et ouais, ils m'ont dit d'activer le mot d'avion et tout, tu vois. Et en plus, ils m'ont dit garde tes moyens de communication, mais tu mets juste le mot d'avion, tu vois, ils m'ont pas pris. Mot d'avion, ouais, mais j'étais pas dans un avion, croyant. Ouais, mais j'ai. Non, mais c'est vrai, les réseaux, personne, quoi. Les réseaux, les... Comme tous les réseaux, regarde ton téléphone. Ah bah regarde, hey, je viens de voir tes appels manqués là, je viens d'allumer le téléphone là. Eh oui. On t'a harcelé. Bon, on va continuer à vendre alors et puis faut qu'on reprenne de la weed. Hein. Je vais appeler les marats. Les marats, ils ont dit faut leur donner combien de pourcents sur ce qu'on vend? Quoi? Parce qu'ils ont dit tu vends, oh, mais... Non, vous les avez ils vous ont avancé. Ouais, non, ils ont offert. On doit rien donner. Offert. Au début, d'accord. Il a dit on vous donne. Et après, il a dit non, vous savez quoi, c'est offert. Et la prochaine fois, vous achetez direct. C'est ok. Attends, c'est quoi, je vais... C'est quoi le contact, là, déjà? Eh, par contre, j'ai vu une Mara, une femme, elle m'a demandé mon numéro, elle m'a dit, je vais te recontacter. Mara Abelando. Attends, j'appelle Abelando. On va aller voir direct. Ah, il faut des bondages, hein. Dans le coffre, on avait pris 50, c'est ça, hein. Ah, mais c'est... Ouais. Il te faut des bondages, toi, Aziz? En fait... Le nombre de fois que tu l'as écrasé, je pense que oui. Non, en fait, c'est pas ça. Il y a Hamid, ils vendent des gros lots de bandages. Ouais, ça serait bien qu'on achète nos lots à nous, tu vois. Hamid, il a 2000 bandages en stock. Il a 2000 bandages, il les vend à 50$ au lieu de 90$ à l'hôpital. C'est mieux qu'on achète notre stock à nous, tu vois. C'est des bandages contaminés ou quoi? Non, Roya, il les a volés. Je sais pas. Putain, tu vois, après, c'est ça le problème des Arabes. Après, ils disent, ouais, les Arabes, c'est des voleurs. Bah ouais. Roya, faut bien faire le business. 2000 bandages, c'est même plus un vol, c'est un braquage, frère. Non, mais, chauffe. Au moins, on a notre stock. Chauffe, on a notre stock de bandages, de bouffe, de tout ce qu'il faut, comme ça, on manque rien de personne. On demande à personne. C'est où les Maras, les gars? Vas-y, continue. À droite. Ouais, vas-y, on contacte demain pour les. Au lieu de prendre les écrans d'arrêt, du coup, on le prend dans les bandages. Ouais, voilà, ouais. Comme ça, au moins. Ben, ça va ou quoi? Tu m'as l'air pensif un peu. Oui, toujours. Je sais pas, tu parles pas trop, t'es pensif. Et il est endormi, Roya. C'est toujours été comme ça. Hein. Non, là, il est à fond la forme, là. J'ai pris un verre de jus d'orange ce matin, là. Je suis à fond la forme. Roya, après, je vais te faire un cocktail. Jus d'orange, le Gdran, avec le pamplemousse, si t'inquiétais même pas. Ouais, c'est le pamplemousse, j'aime trop. C'est vrai qu'on faisait crabe captain. Ouais, les maras, ouais. 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 Il s'est pas arrêté. Vous avez un numéro ou pas, les gars? Parce que moi, le mien. Ouais, je l'ai appelé. Vas-y, son numéro, attends. Oh, y'a un mec qui est carrément courant. Je crois que je vais le goumer. C'est qui t'appelle? C'est Lobo. Je l'avais noté comment comme nom? Lobo, je n'ai pas. Non, pas Vito. Hey. Toujours une erreur, Védic. Vas-y, je vais vendre les 9. Vous m'appelez dès qu'ils arrivent. Ils répondent pas? Non, ils appellent. «
Oui, Lobo, comment ça va? Mais y'avait pas ça là. Ouais, ça, ouais, ça va. Dis-moi, mon ami, je suis truc de tatouage. Tu peux venir, j'ai mes amis. Le canapé et tout. Ouais, viens vous. Y'avait pas ça? C'est vrai, c'est vrai. C'est posé en vrai ici, hein. D'accord. Il y a quelqu'un, c'est bon, il y a quelqu'un. Oui, vas-y, viens, 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 viens faire un bras de fer, viens. Non, 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 c'est mort, j'ai mal au poignet, regarde. Je trouve des excuses. Ah, je m'appelle Ben. Vas-y, viens, 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 Ben, c'est champion de prison. Vas-y. Attends, attends, comment encore qu'il faut faire? Ça va les marins? Bah, tu pousses. Donne-moi la main, donne-moi les doigts. Ça va les gars? Voilà, ça va. Ouh, oui, ça va tranquille. C'est ciré. T'es quoi ici? Ah, on est venu voir. C'est fatigué à la fin. C'est fatigué. J'ai des crampes. Et il parle pas, il dit qu'il a pas envie de parler. Ouais, concentré. Ah, ils sont sûrs là, ça se voit hein. Mais j'ai le temps d'avoir 8 enfants qui auront pas fini. Je fous leurs dents, t'as vu quand ils accélèrent comme ça, ils sourient tu vois. Jouer, bien joué, Hulk, bien joué. J'ai plus de souffle. Je vais les souffler. Vas-y, vas-y, Ben, montre leur ton bras, toi. Vas-y, essaye. Impossible, tu gagnes. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est possible, ça fait longtemps que j'ai pas fait les bras de fer. Frère, il était endormi, il y a trop de jeu par contre, toi. Non, non, t'inquiète. Ben, Ben, c'est un pro. Non, c'est pas Abelando. Ah, ok, ok. C'est Ectol. Ça va, quoi? C'est quoi ça? Ah, merde, merde, merde. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, j'ai pas, vas-y, je vais te comprendre. Des pochons, s'il y a moyen. Si, bien sûr. Ouais, vous les gars, on est retour. Attends, je vais voir avec les gars. Ils finissent leur truc là. Vas-y. Ouais, c'est quoi ça? Wesh! C'est quoi ça? Bon, attends, j'ai beaucoup. Vas-y, on en prend combien? C'est combien de potions encore, Abluno? 70. 70, 70. Bah, il faut voir combien on a dans le coffre, hein, c'est pas te mentir, on a pas fait les comptes encore. Attends, je pense moi, qu'on j'ai... a de quoi, c'est une cinquantaine. Ouais, 50, ça fait combien du coup? 3500, ouais. C'est ça, non? Si. 3500, ok. Moi j'ai 2K, les gars. Vous avez 1500 ou pas? Moi j'ai 5K, j'ai 500 sur moi. Je viens de te donner 600. Ouais, ouais, j'ai mes 5K, moi. Il vient d'avoir sorti avec 5000. Ah bah c'est bon, vas-y, je te paye. C'est combien 5000? Une centaine, c'est combien? Regarde, c'est à toi. Centaine, c'est 7100. Vas-y, on prend. 7000. On prend 7000, une centaine. Vas-y, rajoute 2K, moi j'ai 5K. Je te donne mes 5K. Vas-y, ça fait de l'argent. Vas-y, ramène une centaine. Vas-y, donne-les-moi, je donne tout d'un coup. Macro, je pense pas là. Là, je sais. Je mets quel nom pour. Je mets quel nom 7000. Tu mets quel nom pour quoi? Voilà, attends. Pour le stock, etc. Pour G. Tu mets Aziz. Du carré. Mais pas de nom, frère. Aziz, le t'es fou quoi? Ah ouais, comme ça, si vous faites péter les filles qui connaissent tous les clients. Non, voilà, mon ami. On espère en facture, gars, suivant de faire un virement. C'est bon. C'est pas ma carte de. C'est pour les clients fidèles. On a tout. Eh les gars, dites-nous, vous connaissez les Yardley ou pas? Si, j'en ai déjà entendu parler. Pourquoi? Je sais pas, apparemment, parce que nous, je te dis, on essaie de s'équiper. Genre, on veut des armes à feu, mais pas des P7, tu vois, on veut des Beretta. Et genre, on a des contacts qui nous ont dit qu'apparemment, les Yardley, ils font ça. Et on n'arrive pas, ouais, mais on n'arrive pas à avoir un de leurs numéros, au moins, pour les voir, les approcher, quoi, tu vois. Si. Pour gratter un Beretta ou quoi. Bah moi, je vais te dire, non, j'ai pas de numéro de 2, ni rien. Okay. Je suis pas un marin, je suis un habitant, juste. J'habite ici. Ok, ça marche, ça marche. Mais tu sais où est-ce qu'ils traînent, où est-ce qu'ils font en ville? Ça sert rien du tout. Ouais. Tu sais pas potentiellement qui c'est qui peut avoir un numéro des eux? Et les marins? On va essayer d'aller voir avec les marins, ouais, peut-être, ouais. J'en sais rien, je pense, oui. Vas-y, on va voir avec eux. Et t'as pas un numéro du Ballas, par hasard? Ben, non. Mais non, je traîne pas avec eux. D'accord, ouais, c'est pas grave, merci quand même. T'as, vous habitez ici, vous? Si. D'accord, ouais, c'est bien. Ok. Putain. Attends, habitez où? Nous, on habite à Los Santos. Mais où? Il y en a un, il est fort au bras de fer ici, là. Va te faire fouette, toi. Bon, okay. Donc là. Eh, moi, déglagué. C'est impossible de gagner. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein. Vas-y, t'es prêt? Il est endormi, mais ça se voit le soir. Hein, il rigole pas. Hein. Le poignet, Khoya. Oh, Khoya. Vraiment fort. Aïe. Mon pote. Lui, ça se voit tous les soirs, il prend son téléphone, il fait des trucs. Hein. Ça se voit. Hein. Haram, mais tu fais la main droite, non, c'est main gauche, croyant. On peut avec les meufs direct. Comme ah, ça. Je vois ça, le mitraillette. Avec les mecs surtout, ouais. Ah ouais. Avec le caméjacta là. T'étais pas avec des meufs en prison? Dis quoi? Mais non, mais quand t'étais pas avec des meufs en prison. Ah oui, après que t'es sorti, je sais pas, moi j'y étais encore.
suis sorti mon pote. Elle est là. Au moins 15 meufs. Hey, hey, hey. Blague. C'est moins doute, t'inquiète, j'avais compris. Oh, ils ont jeté un matelas et tout. Hey. Pégoulas. Il me reste 4 pushters. C'est vrai. Oui, sûr. Alors, 66, 38, 18. Vas-y, je vais l'appeler. C'est pourquoi déjà? Par rapport, c'est eux que Hamid va voir, tu vois. Donc peut-être ils ont des trucs ou quoi, tu vois. Vas-y, j'appelle. C'est bon, les gars? Bon, vous avez tout? On va mettre ça, on va mettre dans le coffre direct. Bou. Bou. Pas de réponse, c'est le balas. Aziz, tu m'offres un nouveau haut pour mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Tiens, Nectar. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu peux prendre ce qu'il y a dedans ou pas? Je sais pas, tu ne vas pas venir le coucher. Regarde, attends. Une dizaine. Je sais pas si tu peux y mettre dedans. Incroyable. Non, mais là, c'est bon, c'est plein. Là, vas-y, prends, vas-y. Tiens. Bouge pas. Il y a pris 10 pochons qui restaient normalement. Quarantaine. Quel est tout? Tu m'en files bon. Un peu hein, s'il faut. Vas-y, merci les gars. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Le compte est bon. T'en as combien? Alors, regarde dans le coffre. Et j'en ai sur moi aussi. Attends, vas-y, j'en prends aussi. T'en as combien sur toi? J'en ai. Attends, je dépose là. J'en avais 49. 49 sur toi? Ouais. Il est où Ben? En vert, regarde, ouais, je lui ai donné mon t-shirt. T'es prêt pour le clip là? Alors. Vas-y les gars, force! Merci les gars! Vas-y, vas-y, non, la labo serait trop facile là, si on a la labo. Ils connaissent pas les Yardley. Hein. Ouais. Faut voir avec les comptes qu'on a. Bon, on va déposer dans la nouvelle maison directement. Et Babi, tu penses pas que. Ah non, bah non, c'est lui qui l'a. Babi, en fait, il m'a dit, il y a peut-être espoir. Hein. Il m'a dit, il est en train de voir. Ouais. Attends, je vais demander à Babi là où est-ce qu'ils habitent. Peut-être il le sait. Qu'est-ce qui m'arrive? Du coup, les Anglais, non, il sait pas. Ah, il sait pas. Okay. Oui, il sait pas. Là, il est en train de chercher leur numéro. Bye, my lover. Bye, my friend. Peut-être l'avocat, hein. Peut-être avocat derrière. Vas-y, demande. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être les Kamastra, ils les connaissent. Peut-être qu'ils viennent manger à la pizzeria. Ah, salam alaikum, avocat, ça va? Ah, t'es vraiment le meilleur avocat. Avocat, excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que tu connaîtrais pas par hasard ou dans tes contacts des personnes au nom de Yardley? Ouais. D'accord. Est-ce que dans tes contacts, tu peux demander d'avoir un de leurs numéros? Ouais, incroyable. Notre maison, déjà. D'accord. Ah ouais, on a même pas de garage. D'accord. Vas-y, j'attends. On est des gags. Tu me dis quoi? D'accord, merci beaucoup. Hein. Ah, on a oublié de demander. Putain. Attends, je vais rappeler. Ah bah tu vois, si elle avait donné son nom, elle s'aurait appelé cette bouffonne. Bah non, c'est pas grave. Ouais, on entend donc qu'elle arrive dès que donne les clés. Comme ça, on est tranquille. Ouais, mais elle est déjà déchargée. Attends, faut que je donne l'accès et tout. Vas-y, ouais. Prends la perceuse, Bin. Tu m'as ajouté pour habiter là? Attends, pour habiter. Je suis résident. Vas-y. Grazie mille. C'est bon. Je suis résident, Aziz. Dans ma chambre, Aziz. Ok.
Oh, il y a trop de lumière, ça me pique les yeux. Ah ouais? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui m'arrive? Si, hola, hola, Oak. Ouais, je t'ai contacté parce qu'on allait passer là dans votre quartier. Mais bon, tu répondais ouais. pas. Ouais? Ouais, 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 bah j'étais au téléphone. Dis-moi, ouais, dis-moi. Au final, on a trouvé des copains à toi, donc on est venu prendre ce qu'on avait à prendre, t'as vu? Ok, ok, carré, c'est bon. Donc, c'est bon. Même si t'étais pas là, les autres ont pu faire l'affaire. Même si j'étais pas là? C'est quoi, ouais, c'était tombé sur mes habitants? C'est quoi, t'as pris de la cam? Moi, j'en sais rien, bah oui. Ah ouais, mais normal, c'est le four, tu connais. Ok, ok. Okay. Bah vas-y, merci quand même. Ah, c'est de rien, force. Merci, petit lutin de la teuf. Pas mal le nom. Pour le garage. C'est bon, maintenant on est rentré. Ouais. Ouais, sors, je te passe les clés. Ok. Ah, pas de réponse. Tiens. C'est vrai, on est con, on a oublié le garage, voilà. Regarde celui-là en face, regarde. Merci à DGMX. J'ai pas compris. Oops, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est pas bon. Quoi, notre? Holy moly! Il y a un vélo ici abandonné. Trop bien. Pizza, on va faire son travail. Ok. Paye bien la pizzeria. Je sais pas, moi je sais pas. Ah, on m'avait proposé au Galaxy aussi, on m'avait proposé. Ouais, la vérité, ouais, c'est de la merde. Hein. J'ai vendu 40 pizzas, il m'a dit 1000$. 40 pizzas, 1000$? Ouais. Oh, ouais. Tu m'as dit. Vas-y. Attends, je vais appeler le taxi Désiré. Lui, il y a beaucoup de shows de clients et tout, tu vois. Vas-y. Ah, Vito, il t'a dit quoi? Ouais, il répond pas. Personne qui répond là. Attends, Salvatore, tu l'as appelé? J'ai appelé Monsieur Vito, mais Salvatore, non. Tu vois. Salvatore, c'est le patron, non? Oui, Monsieur Salvatore, c'est Aziz. Désolé de vous déranger, je voulais juste savoir... Là, on va travailler, déjà. Et je voulais juste vous demander, est-ce que vous n'aurez pas un contact des personnes du nom de Yardley, par hasard? Ah, tu me rigolais? Oui. Par rapport à... C'était juste par rapport à une vente de voiture. Non. Regarde. Ouais. Pas le braquage en dessous, hein. Ah! Est-ce que tu reconnais la meuf qui est posée? Bah sur écoutez, la si vous ennemis, ça sera nos ennemis, y'a pas de problème. Mais vous avez pas un numéro par hasard? Où sont les ennemis? La meuf, c'est qui? Ah, c'est Sam! Ah, bah oui! Ah, elle va se marier! Elle s'est mariée déjà, il y a deux jours. D'accord, ok, à tout de suite. Et vous m'envoyez demander des numéros, bande d'enfoirés. C'est pas moi, hein, moi je t'ai demandé. Bon. Numéro de Yardley, ça va arriver, il arrive à la pizzeria, il va nous le donner. Jure! Par contre, il m'a dit pourquoi tu le veux, j'ai dit c'est par rapport à une vente de voiture. Mais non, frère, tu dis par rapport aux armes! Ah merde, ah bah je sais pas trop, croyant. Elle lui fait toi à l'envers, lui. Bah je sais pas, moi j'ai. Non, mais vas-y, Zololo. Ah non, toujours discret, c'est la technique berbère. Oh, on est parti, on a saboté le burger shot, ça y est, il est avec nous, patron. Ah bon, alors, c'est bon. Problème, les alliés. C'est trop bien le polo, hein, vraiment. T'as vu, t'aimes bien? C'est la taille S. Oui, les fais écouter la musique, comme ça il danse, ça fait un clip. Attends, bah croyant, je reviens deux secondes, hein, parce que j'ai un souci. Il dit aussi, il était un peu serré. T'arrives. Attends, je vais faire écouter la musique. À quelle? Dis mon face, mais le problème c'est qu'il faut que je mette 10 000 après, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, ça casse les couilles. Vas-y. T'as faim, tu veux manger un truc? C'est là qu'on travaille, Roya. Viens, rentre, t'inquiète. Ah, le patron, t'inquiète. C'est Kéké Solo au bar. C'est incroyable pour couper les pizzas, ça. Arrêtez de sonner au bar. Ouais, Bin, viens voir.
Ben, je vais te faire écouter mon fils, regarde, viens, viens. C'est, oh, mets du miel, mets du miel. Ah, mais je suis obligé, attends. Ça, c'est mon fils, oublié. Regarde, écoute, écoute. Oh, ben, allez, DJ Mix, désolé, y'a pas les nocifs, c'est bugué, mais merci à toi. Ouais, je sors, moi, rip les oreilles. Écoute, écoute, c'est mon fils, c'est mon fils, non. Regarde ce qu'il va dire. Chauffe, 1, 2, 3, hé, hé. C'est parti. Aïe, aïe. Il est chaud, hein, c'est mon fils. Ah ouais, mais... Il pique les oreilles, attends. Ouais, je sais, vas-y. Ouais, laisse piquer les oreilles. J'arrête, je vais mettre du miel, parce que j'ai un peu... J'ai mal. À chaque fois que je mets ça, j'ai mal à la tête, je sais pas pourquoi. Ouais, là, il est... C'est... Ça pète, quoi, vraiment. Si, toi. Ah ouais, tu fous. Voilà, regarde ton ventre, il ressort. Ouais, tu fous. Ah, c'est bon, ça va mieux. Trop gros aussi. Ouais, ça doit être bien mangé. Bien mangé, moi, quand t'es en prison, je voulais. Ah ouais, tu voulais, toi. On est là, on a la peau sur les os, là, on est des migrations. Et là, toi, avec ton ventre, là. Gros ventre, là. Et j'ai mangé un grec, en plus, là. Ah ouais, quelle sauce. La sauce algérienne, comme d'hab. Ah ouais, frère, je suis marocain, mais j'avoue, la sauce algérienne, elle est tirée. Pas changé. Elle est sauce marocaine ou pas? Ouais, sauce marocaine. En fait, regarde, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est un goût, je le connais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est spécialité de chez nous, je connais trop. C'est vrai que la sauce algérienne, tu la connais pas, quoi. Ouais, voilà, tu vois, c'est un goût que j'ai jamais goûté, donc c'est pour ça que j'aime bien. Mais vas-y, je vais changer un petit peu. En ce moment, je sais pas pourquoi je suis... Vas-y, vas-y, ta sauce, il y a rien mieux qu'une seule sauce en particulier. C'est quoi? La mayonnaise. Ah, mayonnaise, la mayonnaise. Merguez. Je rigole. Mayonnaise, c'est là-bas, ça pue sa merde. Ouais, mais chauffe, le mayonnaise... Celle qui te dégoûte le plus, c'est laquelle? Je vais pas te mentir. Ouais, on est d'accord, non, on est d'accord. On est d'accord, Ben. Je vais te dire un truc, tu vas m'insulter. Andalouse. Ah putain, tu sais pourquoi? C'est trop bonne, ouais. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que en fait, l'andalouse, c'est comme du cachet. J'en ai trop mangé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'en suis dégoûté. Je pense, moi, je sais pas pourquoi la pita, j'aime bien en ce moment, je sais pas pourquoi. Non, moi, j'ai pas accès aussi. Et une période, c'est les motos qui s'occupent de ça. Ouais, Nordine, alors ça win ou pas? Ah, vous êtes là. Oui, on est là. Ça va, vous êtes bien. Mais ça commencera. Ça, la sauce tomate, ça se retrouve en vêtements là. Ah, ouais, moi Ouais, faut nous laisser faire les pitas. Hein. Bah ouais. Et ouais, rien à voir. C'est-à-dire que bon, le collègue il est monté dans l'auto, il a calé dans la voiture là, bon. Et merde. Il faut savoir que la sauce tomate. Il s'est tapé le mur quoi, bref. Bah nous, c'est Aziz, il s'est fait prendre en otage par des mecs et tout. Ah là. Ouais, j'étais traumatisé. C'est pas flicka et tout. Ah ouais, ouais. Du coup, pour me réconcilier, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une augmentation? Quoi? Mais non, je rigole. Ah, je rigole, je rigole. Non, en fait, on cherchait les Yardley là, parce qu'apparemment, il y a un gars, il m'a dit, il y a qu'eux qui vendent des armes en ville. Nous, on voudrait des petits trucs, quoi, des Beretta, et comme on peut pas avoir le PPA, bah les flics, on est. Qui vendent des armes en ville? Qui c'est qui vous a dit ça? Je sais pas, c'est un gitan. Un gitan? Ouais, un gitan. Ça s'appellerait pas Dylan? Non. Baby. Le petit baby. Et du coup là ils travaillent pour avoir leur numéro mais je sais pas les mecs ils font trop leur... ça Tommy. Hein? Apparemment il y a que les Yardley qui vendent des armes en ville. Attendez mais c'est qui le monsieur aussi à table là? Ah non ça c'est un collègue à nous. Ne t'inquiète pas, c'est... Un mec il était avec nous en prison. Il est sorti il y a 2 mois ce con. Et on l'a rencontré par hasard en ville là, il est sorti, il nous avait pas prévenu. Non pas. Il s'appelle Ben. Mais comment il se prénomme? Ben. Il s'appelle Ben, vas-y parle, mais il a deux tensions, faut pas... Ah ouais. Bon. Sa mère, elle l'a accouché au ralenti, c'est pour ça. Ah oui, il est, oui. En fois 0,25. C'est ça. Ah oui. Ça crie au ralenti. Mais en gros, nous, pas gros. Avant de rentrer en prison, en gros, on avait PPA, on avait Beretta, etc. On est sortis, ils nous ont dit, bah c'est mort pour vous, PPA. Parce qu'apparemment, on aurait tiré sur des flics. Et du coup, le seul truc qu'on peut avoir là, c'est des P7. Mais vas-y, des P7, qu'est-ce qu'ils sont à faire avec ça, quoi. On est même pas trop sérieux par des mouches avec des P7. Du coup, on charge juste des Beretta pour se défendre au cas où ça tourne au vinaigre. Et sauf que c'est une galère monumentale. En vrai, est-ce qu'on n'irait pas discuter derrière plutôt? Parce que bon, c'est jamais que des clients arrivent. Ouais, tranquille. Ouais, ouais, c'est mieux, ouais. Parce que bon, on sait jamais, quoi. Oui. Ben, il faut se lever. Ah, merde, pardon. Ah ouais, le temps que ça monte. T'es bercé trop près du mur, celui-là. Ah non, mais lui, il est sombé, hein. Pardon? Allez-y, je vous en prie. Du coup,
coup. Qui remplit bien le ventre. On vous a dit qu'il y avait que les Yardley qui vendaient des armes, quoi. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit, ouais. Qui c'est qui vous a dit ça? Ah, ce qui paraît. Le gitan, il t'a dit. Le gitan. Ouais. Ah, ça doit être pour ça, c'est les origines, ça. C'est les origines gitanes, les Yardley, c'est pour ça. Ah oui, il m'a dit voilà, c'est des tziganes de Londres. C'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai pas compris. Mais du coup, ouais, tziganes de Londres, etc. Ah. Et puis c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est-à-dire que actuellement, on subit une pénurie d'armes comme jamais vu auparavant. Je suis sûr que vous étiez la mafia, comme dans Les Sopranos. Qui vous a dit ça là? Attendez. Ma série. Ça signait quoi? Bah, il a dit des pénuries d'armes. Je suis armurier. Ah, tu s'expliques, eh ouais. Sinon, il y avait ça comme option, c'est vrai, il y avait ça comme option. Mais en fait, avec la cigarette, ça fait grave mafia, c'est pour ça. Ça se voit, c'est Apache et nous. J'ai le chapeau. J'ai mon PPA, voilà, je peux vous délivrer des armes dans les différentes armureries, parce que voilà. Oh! Mais c'est grave. Ah, deuxième X, désolé, il n'y a pas la notif. Et donc, oui, il y a une pénurie d'armes. Merci pour le sub offert. Ah, t'en faire deux subs. Et pour des Beretta. Oh, merci pour les deux subs, mon ref. Merci. Il y a des problèmes notifs là. Sérieux? Ah, putain, merde. On va se lever tôt. C'est-à-dire franchement, c'est vraiment très compliqué. Faut que je vois. Peut-être que. Mais normalement, avec de l'argent, c'est pas compliqué, non? Peut-être qu'à l'armurerie, on peut vous débloquer. Je sais pas, moi, du Desert Eagle, peut-être. Quoi? Ouais. Beretta, non, mais Desert Eagle, oui. Ouais. Ah là tu parles ma langue là. Tu régales là. Là tu parles le berbère sale. Je vous rassure tout de suite, c'est pas en grande quantité pour l'instant. C'est pas quoi? C'est pas en grande quantité pour l'instant. Ah bah de toute façon nous il nous en faut juste un. Quelques exemplaires, ouais. Là c'est un, ça. 2, 3 maximum. Dites-moi, votre collègue. Mm-hmm. Il est de la sécurité? Ouais, non, il travaille pour sa propre sécurité lui. Il est chaud. Je sais pas ses loyettes. Ah ça, oui, non, il est... Ça m'a fait penser, quoi. Non, il est connecté avec l'au-delà, lui. Ah oui. Bon. C'est factice, hein, vous inquiétez. Mais c'est très, très compliqué. Même nous, aux armureries, on a du mal à se fournir. Rien que des PC, on a énormément de mal à se fournir. Et comment ça se fait, tout ça? Oui. Bah, nous, les PC, on peut en avoir, mais bon, c'est éclaté, quoi. Ah, vous savez, il y a eu des énormes descentes. Ouais. De la part du LSPD, une énorme... Quand même, pour que toute la ville soit affectée. Ah, en fait, c'est quoi là? C'est que la police a très bien prévu son coup parce que ils ont tapé fort, vite, et sur tout le monde en même temps. Tout le monde était pour vous, quoi. C'est-à-dire que nous, au niveau des armureries, on a jamais connu une demande aussi forte au niveau des armes, et j'imagine que c'est pareil au marché noir. Pourquoi la police elle a tapé dans les armureries? Non, c'est pas ça. Elle réquisitionnait toutes les armes qu'elle pouvait sur le marché. Forcément, ça fait des descentes très longues. La demande a explosé. De demande. Toi, Ben, par exemple, Ben, bah, à titre de comparaison, c'est un P7, quoi. Il sera jamais Beretta dans sa vie. Ah, d'accord. Il est lent, mais il est mignon, quoi. Il est petit. Du coup, voilà. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et c'est pour ça que c'est très compliqué, et c'est pour ça également que les prix sont en train de flamber. Hey. Enfoiré! Hey, Roya, doucement. Désolé, merde, désolé. Merde! Ah bah il est solide par contre pour être là. Ah c'est pas professionnel, ouais, c'est Roya. Putain, c'est qui pour rien. Ouais, je fais mal hein. Roya, doucement. Il est lent mais en tout cas quand il tape, il fait mal. Ah il fait mal. Non mais il y avait des mouches de partout. Ouais, non, j'ai prévu quand il y a des mouches, Roya. Ah Roya, il faut vraiment des bondages là par contre. Oh, tu l'as raconté, Burger Sat ou pas? Ah oui. Désolé, oui, j'ai vu, c'est là. Alors, souris, poule, il y a du tout. On a ramené un gros rat sa mère, on l'a foutu dans les cuisines. Ouais, j'ai vu la photo. Et pareil pour la cuisine. T'as vu quand tu demandes l'émission, c'est facile ça. Oui, mais c'est dans la subtilité. Parce que si vous y allez franco comme ça, ils vont voir que vous travaillez ici. Et après, ça va dire quoi? Ça va dire, il faut exprès. Non, on n'a rien dit, on a attendu. Non, mais j'ai incroyable, les animaux. C'est ça, subtil. Que tu sois. Faut faire attention, on a déjà eu des problèmes avec la concurrence, surtout Burger Shot, fut un temps. Sérieux? Ouais, de gros emmerdes. Mais genre, parlons bien. Genre, si jamais vous arrivez à débloquer Desert Eagle, tout ça, serait combien l'unité? Alors là, je peux pas trop vous dire. Ouais. Mais si je peux en débloquer un, je vous appellerai et je vous transmettrai les tarots. Ok, ça marche. Ouais, quoi. Très bien, si. Ouais. Mais bon, ah, c'est déjà bien.
Dans l'immédiat, ça sera plus 1 déjà, parce que 2 ou 3, ça va être très compliqué. Eh ouais, ouais pas... j'imagine. Okay, ah oui, okay. Je dis, c'est... Ça marche, ça marche. Et Beretta, c'est mort. Pour l'instant, voilà, pour l'instant. Ouais, ça risque d'être compliqué. Ok. Ouais, ici. Ça marche. Bah nous, ça nous va, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. C'est tout. C'est et les Yardley, de ce que j'ai compris, vous êtes ennemis avec eux, c'est ça? Ils se posent des armuries aussi? Non, on n'est pas ennemis. Ah, okay. Ils font quoi les Yardley en ville, les gars? J'ai un petit cru. Vas-y. Je vous en prie. Moi j'ai suis blessé de partout. Putain. On va aller à l'hôpital après. Mais les Yardley, ils sont dans Call Business, ils ont quoi? Ils ont des restaurants aussi? Ils ont un bar. Ils ont. Ah ouais, c'est lequel? C'est un saloon à Paléto. J'ai plus de ouais, exact. Ok, dans le nord, ok. Et ils ont l'agence immobilière. Sérieux, ça eux? Ouais. Putain, ils se prennent les choses. Après un petit coup bien. De Trafalgar et ils ont récupéré l'agence, ces petits saloons. Ils m'ont évincé. J'y étais. Putain. Vous avez vu que la pizzeria? Non. Oui, là, comme Astrobo. Ouais, on a beaucoup de. On a la banque. Ils ont des armuries, du coup. Ces armuries, armuries, exactement. Ok. Un petit détail. Ouais. C'est sicilien, les armuries. C'est sicilien? Ouais, c'est pas d'ici. C'est-à-dire que. Les armuries en Sicile, quoi. Ça fait beaucoup, là. Les armuries en Sicile. Ils nous envoient ici. Et où est-ce que. On a. Oui, bien sûr. Il y a les cargos qui arrivent. Les armures ici, je sais pas. Ah, dans une boîte de sauce tomate, on peut mettre des il faudrait leur sortir un peu les yeux du cul, leur montrer comment ça se passe au Texas, parce qu'il y a que des P7 là dans les armures. Ah ouais, c'est un peu éclaté les P7, ça c'est bon. Ok, ça marche spécial. Bon, en tout cas, merci, tenez-nous au courant. Hein. Et comme ça, on pourra réunir la somme et vous payer quoi avec ça. Bon, bah parfait. Vas-y. Ouais, vas-y, on va à l'hôpital. Parce que j'ai vraiment besoin là. Qu'est-ce qu'on fait? Merci également, messieurs. Bon courage. Hein. Ouais, merci pour les infos. Pas de bêtises, c'est rien quand on n'est pas là. Non, Colo, jamais. Professionnel. Hein. C'est notre deuxième maison. Pas de soucis. Ouais. Putain, c'est chaud. Projet du droit. Bah, avoir des armes. Vas-y, ça va prendre. Ouais, tu veux courir? Ouais, un peu. Putain, casse les couilles, c'est clé de merde, non? Ouais. Hey. Voilà. Attends, suspense. Non. Rentre et passe, 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 passe. Vas-y. Vas-y. Allez, hop, faut déverrouiller. Attends. C'est pas bon? Attendez, vous avez la diarrhée ou quoi? Vas-y. Je donne le signal. Non. Ok, attends. Comment c'est bon là? Ouais, faut que tu te mettes en conducteur, je pense, non? Ouais. Tu penses? Mais ton conducteur déverrouille, il repasse passager. Ouais. Là c'est la dure loi. Ah c'est bon là? Vas-y, passe à côté. Bon allez, ça me casse les couilles. Ouais vas-y, c'est quoi? Prends le volant, c'est bon. On peut pas rentrer. Et là c'est bon là. Voilà. Waouh. Heureusement que c'est pas une course poursuite hein. Ouais j'ai jamais dit t'es dans la merde, tu dois partir. Mais frère, c'est bon, c'est pour ça que je la verrouille plus. Bah ouais. Pas les verrouiller. Bon. Après faut verrouiller seulement quand il y a des trucs dans le coffre. Les mecs, je crois que je crois que j'ai compris un truc sur les gens qu'on vient de voir là. Quoi? Quoi? Je crois que tout est clair dans ma tête. Vas-y, éclaire-nous. Hey, c'est quoi? C'est des flics. Ah, vous m'avez dit qu'il était spécial, mais je pensais pas à ce point. Hein. Ah putain, ouais. Ah, c'est ça que l'info elle monte à la tête. C'est vrai, hein, qu'est-ce qu'on en sait? En vrai de vrai, ça se trouve, c'est des flics infiltrés. Hein. C'est quoi? C'est l'oreillette qui t'a dit? Bah ouais, à mon avis, c'est l'oreillette. Je suis connecté avec c'est l'oreillette qui m'a dit. Quand t'as dit ça. L'hôpital, c'est pas là. Du moins, j'en pouvais plus. Attends, on va aller vite faire au Bénise. Vas-y. Lui garder mon sérieux, mais j'en pouvais plus quand t'as dit qu'il connectait avec l'O2 là. Ah ouais, le. Et là, il parle pas, il a. Il est mort. Hey. Je savais que t'étais un robot. Hein? Je savais que t'étais un robot. Ah non, je suis robot comme je suis tôt. Par contre, préparez Aziz, s'il vous plaît. Salut, monsieur. Hey, ça va la touffe? Ouais, tranquille. Ça pour une réparation, s'il te plaît. On va aller réparer Aziz. Puis après, je pense aller au lit, moi. Ouais. Mais moi... Ah si. Putain.
On va aller dormir. T'as, c'est dommage, on n'a pas le garage. Hein. On aurait été dormir ça demain, à la maison, tu vois. Ouais, demain. Non. Bon, c'est pas grave, c'est demain. Ouais, c'est Aziz qui m'a dit. Attends, j'appelle Maître Khay. Elle m'a même pas demandé s'ils avaient. Ouais, mais bon, on va pas chez la yard là. Si... Donc, du coup, on achète tout comme un. Où les trouver, hein. Ah, si jamais. Si jamais ils ont des trucs, ouais. Hey 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 les gongs. Oh putain. Nickel. Putain elle brille. Ouais. Dis-moi t'as appelé. T'as rentré mon... la toute dans le casque. C'est compliqué, pour savoir. Hein. Ok nickel, y'a pas de soucis. Ah ouais tu m'étonnes. Petite phase des 13 ok. Ouais même pas t'as prévenu alors que t'étais. 13 express. Yo. Ouais ça va quoi les gars. Ouais ouais. Ça dit quoi? Bah, oh, écoute, ça va et toi? Ouais, ça va tranquille, tranquille. Tranquille, hein. Ah ouais. Quoi? Bah, rien, toi. Bah, écoute, je répare ma caisse. Ah, bah, nous pareil. Oh, c'est une meuf, vas-y, ça vas-y. Oh putain, ouais, c'est ouais, ouais. Bah, ouais, c'est une meuf. Je pensais que c'était un gars. Elles sont stylées, les lunettes. Ouais, pas mal. On a pas ça, nous, les mecs, non? Non. Ah, non. Putain. Les lunettes rondes comme ça. C'est incroyable, je sais, ouais. J'en ai chez moi, mais j'en ai pas ici. Hein. Ouais, c'est Morpheus. Bienvenue dans la matrice. Stylé de fou. Exactement, putain. Morpheus, putain, en plus, j'ai regardé hier. Attends, c'est quoi? Mystic River. Matrix. Incroyable, Mystic River. Mais attends, Mystic River, tu connais pas? Non. Allez, c'est bon, je ne pas, frérot. Oh, t'abuses. Paris. C'est pas une momie, moi. Oh, c'est quoi ça? Avec l'odule. Parce qu'il est vieux, il se voit. Ah, ouais, donc vraiment quoi. Et c'est quoi ça, Mystic River? Je sais pas. Ah, vous faites les connaisseurs, vous savez pas, regarder ce soir. Ah, ah là, je recherche. Bon, attends, il y a sur Netflix ou pas? Vas-y, les mauves, à la prochaine. Salut les palaces, bisous. Salut. Big up. C'est lui les fournisseurs de Hamid, du coup. Ah, ouais, ils traînent au bénis. Ils sont endormis et tout. Donc, ça a été belle, mais en version de froid, quoi. Ouais, c'est pas lui. Belle le palace. Ah, oui, toi. Ouais, yo, je suis connecté avec l'au-delà. Il a répondu 5 secondes avant. Non, mais Ben en balade, j'avoue, serait bien en vrai. Putain. Pousse. Tu veux pas changer de vie un peu? Elle répond avec des phrases et pas des mots. Imagine Ben OG Balas. Ouais. Pousse. Ben en OG Balas, le gang il fait pas de 2 jours. Elle va te répondre, elle va faire. Ouais, les flics, je vous emmerde. Ah, mais descente de flics au bout de 10 minutes. Ah, si tu dois percer quelque chose, touche même mais pas. Mais putain, les flics, je rigolais, wesh. Eh oui. 2 semaines après en GAV. Ah mais je suis sans fête là. Putain. Ce serait la prison. Je pense que si je suis OG des balles, je pense que je gère tout. Ah, c'est cher les bons. Ah, vous avez des bons LSAZ ou pas? Attends, je regarde. Non, des bons fourrières. J'en ai un moi, j'en ai un. Ah mais t'es bien. Eh ouais. Non mais ces trucs. T'as des bons LSAG, c'est Ben, Ben qui m'a dit. Non, j'ai ok. Ouais, c'est. Ah, okay. Du coup, Soukli, c'est mort? Soukli, il m'a allô dit. Allô? Oui, salam alaikum, docteur, je suis à l'hôpital. Mais frère, comment ça, je te rappelle? En fait, c'est pas lui le patron. Ah ouais, les gens, ils s'inventent des vies en fait. Ouais, ça m'énerve. Si tu veux, je t'embauche, alors que le mec, il est employé comme toi, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais bon, ils arrivent. Ouais. Il fait le mec qui a des contacts, enfin, c'est ça. Il est même pas employé, tu sais. Détendre, bah, soit vous attendez, soit vous vas-y, prends tout au madame. T'inquiète pas, vas-y. Soit vous, non, mais soit vous, hein, ah, on parle à qui? Soit je suis au téléphone, mais c'est pour ça. Ah. Soit vous attendez, soit vous nous envoyez une position que vous avez bougé. Ah ouais, un petit jour, ça se met bien. T'en veux un? Ok, ok, à toutes. C'est interdit. Mmh. Bon, il est des mal à DC, ouais, mais bon, après, c'est Ben. Oui, oui. C'est bon, quoi, okay. Mais il renifle okay, ça au col. Oui, ok, oui, ok, ok, oui. À tout à l'heure, bisous. Vas-y. Voilà, allez, c'est bon. C'est incroyable. Salam alaikum, madame. C'est moi, oui, madame. Il m'a à droite, il m'a cassé ma gueule. Il faut vraiment prendre soin de moi, s'il vous plaît. D'accord, venez avec moi. Merci beaucoup. Elle est jolie derrière. Hein. Prends le numéro, oui. prends le numéro. Ouais, et pose des bonnes questions. Okay. Vas-y, 500 dollars, toi. Même pas. Je vais donner 500 dollars, moi. Tu vois, Hawk, t'es un arnaqueur. Ah. Tu vas pas passer les 500 dollars vu que t'as perdu. Je peux lui donner là si je veux. Si je sais zapper.
Après, ouais, c'est lui qui doit venir s'en réclamer son argent. Putain, tes chaussures, elles sont éclatées. Je suis cherché, hein, les wow, c'est pas trop bien. Les chaussures de Ben. Ah bah voilà, y'a pire. Y'a pire. T'es mal le pantalon. Oh, le t-shirt dans le pantalon et tout. Oh putain. Eh, tu sais, les chaussures, j'avais 12 ans, je les mettais. C'est chaud. T'en as mis, toi, plusieurs ou pas des All-Star comme ça, là? Non, t'es fou, j'ai pas de marque, moi. Tu crois qu'on avait de la marque, nous? Toi, t'étais avec des Crocs. T'es fou, frère, j'étais avec des Redbox. J'avais des, voilà, des chaussures de Kiabi, j'étais des Adibas, moi. Des O'Nike. Oh Mike. Oh Mike. T'as vu? Je te jure, j'étais avec des Oh Mike. La paire, elle faisait un jour. J'étais au marché, mes chaussures, moi. Je tirais un peu trop fort dans le ballon de foot, il n'y avait plus de chaussures. Tu faisais un truc. Je te jure, voilà que c'est vrai. Une fois, j'en ai mis une, ils ont tenu la journée. Ouais, je suis rentré, j'étais pieds nus à la maison. On m'a dit, c'est passé quoi? Je dis, bah, je sais pas, c'est à vous de me dire, c'est passé quoi avec les chaussures? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? C'est la semelle. Et maintenant, tu portes du Nike, t'as vu la différence? La semelle dans tout. En fait, je marchais sur mes talons direct. Ça arrachait. Tiens, pense à le ranger après. Quoi? C'est incroyable, c'est pas. On est jour. Rac. Rac. Bac. Tu mets des joues, ça. Brac. Il reste comme ça. Oh, c'est rapide. Attends. T'as vu? Imagine, t'as envie de sortir en 2-2 discrètement. Comme ça, bam. Tu le rejettes, jette ça et tu le récupères. T'as vu? Oh, c'est incroyable ça. Ça. Ça pique. Tu l'as volé dans un musée ou quoi? Non, dans une armerie. Surplus militaire. Excusez-nous. Tu connais pas? Je suis sûr, elles sont faites en combien d'exemplaires? Non. T'as dit quoi, Ben? Je suis sûr, elles sont faites en combien d'exemplaires? T'es sûr? Oui. Un seul. Je sais pas pourquoi. Ok, mais c'est bon, ok, répondu à ma question. Tu les veux? Je veux les mêmes. Tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Ah non, dis-moi d'abord. Tu dis 43. Il va te mentir. 43? Putain, c'est dommage, je fais du 36,5. Taille enfant! Parce que je savais que j'allais dire 42, il va dire ah ouais, ah, moi aussi je fais du 42. 42. Vous voulez me douiller? C'est plaisir. Mais frère, même avec des chaussures comme ça. Franchement, t'as beaucoup plus la classe comme ça en vrai. Hein. En vert marocain. J'aimerais bien laisser pousser ma barbe. Blanc algérien. Ah, t'as fait le drapeau d'Algérie en vrai. Il est marocain lui, il est pas algérien. Ben, va mieux, bon, il est tout lui. Hein. Non, tu vas mieux. Moi, je suis américain. T'as pris beaucoup son numéro mieux. Comment t'as dit ou pas? Tu verras par toi-même. Allez, on s'appelle ma belle. Allez, ouais, on s'appelle. À bientôt. Madame. Bonne soirée. Oui. Avec un bon SSD, je peux avoir combien de mandats? 3. Vas-y, donne-moi 3 s'il te plaît. Ok, je fais avec. Okay. Je croyais dire tout. Non, moi, il a dit toi, tout. Et voilà pour vous. Merci. De rien, bonne soirée. Bonne soirée.